Salut à tous! L'Altertour fêtait cette année sa 10e édition et passait par Béziers le dimanche 23 juillet. C'est un groupe de cyclistes qui voyagent à la rencontre des alternatives. Ils rencontrent des organisations, associations, etc. et discutent de sujets de société, qu'ils soient culturels, sociaux, écologiques. Cette année, c'est de Toulouse à Valence que les altercyclistes ont décidé de voyager, avec tout un tas de villes-étapes et un programme bien précis, dont leur passage à Béziers le 23 juillet. À cette occasion, des représentants d'assos de Béziers se sont réunis pour organiser leur accueil, et le groupe a profité de cette occasion pour faire valoir un sujet qui lui tenait à cœur. Il y avait le Mouvement National de Lutte pour l'Environnement, la Cosmopolitech, Vélo Ciutat, Attaque, et nous-mêmes, Naturalia. On a choisi le thème du déplacement doux et vu qu'en plus les participants de l'Altertour sont des cyclistes, ça tombait à point nommé. Déplacement doux pour info, c'est grosso modo la marche à pied, le vélo, la trottinette, les rollers, enfin pas de moteur quoi, tout simplement. On a décidé d'organiser un débat public concernant les déplacements doux et leur situation à la fois dans notre ville et dans le pays. L'occasion d'échanger avec des personnes qui sont sensibilisées aux déplacements doux, mais aussi d'autres qui n'en ont jamais entendu parler. L'introduction au débat a été réalisée par Robert Clavigeot de l'antenne biterroise du Mouvement National de Lutte pour l'Environnement. Après ce débat, une course de lenteur s'est faite sur les allées Paul Riquet, qui sont quand même un lieu central de Béziers, on avait vraiment envie de le faire là. Puis une balade dans les rues de la ville pour la découvrir, créer de l'animation, faire en sorte que les altercyclistes en profitent aussi, puisque ça reste un voyage plaisir. Après, ce que je suis en train de vous dire, c'est l'introduction du débat par Robert, ainsi que tout ce que j'ai pu filmer pendant la journée. Donc voilà, c'est parti. Jean-François, toi, t'as vraiment aucune idée d'un nom. Alors installez-vous, le spectacle, si j'ose dire, va bientôt commencer. Or, la ville, espace où la place est limitée, ne peut pas digérer la multiplication sans fin de ces gros engins encombrants, bruyants, polluants, dangereux que sont les automobiles. Écoute-toi. Ça veut dire qu'on est d'accord. Très bien. On ne fait pas de bruit pour le dire. Merci. Alors, ensuite. Réflexion sur les conséquences de l'abus de l'automobile. Première conséquence, en France, chaque année, en moyenne, on dénombre 67 000 accidents de la circulation, 70 000 blessés, 3 500 tués. En 1972, l'année record, le bilan a atteint 386 000 blessés, 18 000 morts. C'est plus qu'un bilan de guerre civile. Et personne ne semble en avoir conscience. Deuxième conséquence, à ces tués et ces blessés s'ajoutent officiellement, statistiquement, 42 000 personnes qui meurent prématurément chaque année pour avoir respiré les particules fines qui sont éparses dans l'air qu'ils respirent. Bien sûr, ces polluants sont d'origine très diverse, mais en ville, 70% des particules fines sont produites par les transports. Troisième conséquence, le réchauffement climatique. En France, 30% des émissions de gaz à effet de serre sont produites par les transports. Quatrième conséquence, depuis de longues années, la France souffre du déséquilibre de sa balance commerciale. En termes de tous les jours, nous importons beaucoup plus que nous n'exportons, et la France s'appauvrit. Or, dans ce déséquilibre de la balance commerciale, les deux tiers du déficit sont dus à l'importation de pétrole, qui est consommé principalement pour les transports et la bagnole. Cinquième et dernière conséquence, c'est l'amputation de notre pouvoir d'achat. Saviez-vous que, en moyenne,
L'automobiliste en France dépense chaque année entre 4 000 et 5 000 euros pour sa bagnole. Je compte là-dedans à la fois l'achat du véhicule, les carburants, les péages, l'entretien, etc. 4 000, tout cela, tout compris. 4 000 à 5 000 euros par an pour une bagnole, mais c'est plusieurs mois de revenus. Et par conséquent, nous travaillons plusieurs mois chaque année pour la bagnole. Il faut rompre avec cette mobilité qui n'est pas soutenable, nous déplacer moins, nous déplacer autrement. Alors, j'en viens maintenant à ce que serait une mobilité durable. La mobilité durable, c'est d'abord réduire le besoin de transport, le besoin de mobilité. Et je livre à votre réflexion quelques statistiques purement bitéroises. Les bitérois comprendront peut-être mieux que d'autres ce que je veux dire. En 1950, donc il y a à peine plus d'un demi-siècle, en 1950, pour 65 000 habitants, la ville de Béziers ne couvrait que 200 hectares. En 2008, pour 70 000 habitants, 70 000 au lieu de 65 000, une augmentation négligeable. Donc en 2008, pour une population presque identique, Béziers couvrait non pas 200 hectares, mais 2000. C'est ce que les urbanistes appellent l'étalement urbain. Chaque bitérois, mais c'est pareil partout en France, chaque bitérois aujourd'hui, par conséquent, en un peu plus d'un demi-siècle, a augmenté de presque, 10 fois l'espace qu'il occupe, l'espace urbain qu'il occupe. Ça, c'est dû notamment à la manie, la mode de la villa périphérique avec le moins de voisins possible. Eh bien, il faut rompre avec l'étalement urbain, parce que l'étalement urbain et donc la dispersion de l'habitat entraîne l'abus du transport automobile. La mobilité durable, c'est ensuite la priorité absolue aux piétons. Je dis le piéton. En effet, en ville, le piéton est légalement l'usager prioritaire de l'espace public. Il faut le savoir, il faut s'en souvenir. Nous ne sommes pas tous automobilistes, ni même tous cyclistes, mais nous sommes forcément tous piétons à un moment ou à un autre de la journée. Les piétons, c'est tout le monde. Donc, priorité absolue aux piétons. Le centre-ville, par exemple, dont les rues étroites n'ont jamais été conçues pour l'automobile, et à Béziers, nous avons un centre-ville, un vieux Béziers particulièrement étendu. Eh bien, ces villes tortueuses et étroites du vieux centre doivent être rendues bien plus largement piétonnières. Les automobilistes qui se rendent dans le centre doivent être invités non pas à se garer dans le centre, comme ils le font aujourd'hui, comme ils le font ici sur les allées Paul Riquet, non. Il faut les inviter à garer leur bagnole à l'extérieur du centre-ville. Le trottoir est normalement l'espace réservé du piéton. Malheureusement, cet espace lui est disputé d'une part par les autos en stationnement. Pour contourner ces autos, le piéton est souvent obligé de descendre sur la chaussée. Oh, paradoxe! C'est lui qui circule sur la chaussée pendant que les voitures sont sur les trottoirs. Évidemment, c'est très dangereux, surtout pour les personnes âgées qui traînent après elles un caddie, ou pour les jeunes parents qui poussent un landau avec un enfant. Garer une auto sur un trottoir, c'est normalement illicite. C'est illégal. Mais comme ce n'est pas réprimé, eh bien, les automobilistes volent en toute impunité aux piétons leur espace réservé. La mobilité durable, c'est ensuite rendre les trottoirs aux piétons. Si les automobilistes désormais étaient obligés de se garer sur la chaussée, il en résulterait trois conséquences excellentes. Première conséquence, sur les trottoirs libérés,
les citadins seraient beaucoup plus nombreux à opter pour le déplacement à pied. Deuxième conséquence positive, si les autos chassées des trottoirs étaient contraintes de stationner sur la chaussée, l'espace carrossable s'en trouverait réduit, ce qui incite toujours les automobilistes à ralentir leur véhicule. Les rues deviendraient ainsi plus sûres pour tout le monde, y compris pour les automobilistes. Car n'oublions pas que la plupart des accidents de la circulation se produisent non pas sur les grandes routes, mais en ville. Troisième conséquence positive, les cyclistes qui craignent par-dessus tout de se déplacer à vélo parce qu'ils craignent les voitures allant trop vite. Eh bien, les cyclistes seraient beaucoup plus nombreux à choisir les deux roues pour se déplacer. Merci, merci de votre approbation. J'y suis sensible. Pour adapter la ville au vélo, il faut évidemment d'autres mesures aussi. Est-ce que, par exemple, comme le souhaitent souvent les cyclistes, est-ce qu'il faut multiplier les voies cyclables? À votre grande surprise, peut-être, je vais répondre non. En effet, on ne peut pas multiplier les voies cyclables en ville, pour deux raisons au moins. La première, c'est que aménager des pistes cyclables, ça a un coût financier pour des collectivités qui sont déjà surendettées et dont les moyens se réduisent pratiquement d'année en année. D'autre part, l'immense majorité des rues n'est pas assez large pour que dans cet espace étroit, on puisse aménager à la fois deux trottoirs, une chaussée pour les véhicules motorisés, une bande de stationnement et des voies pour les vélos. C'est pas possible. Ajoutons que à Béziers, mais je suppose que partout ailleurs c'est pareil, à Béziers en tout cas, je peux en parler en connaissance de cause, les voies cyclables qui ont été réalisées sont totalement antifonctionnelles. La plupart sont réalisées sur les trottoirs et elles volent elles aussi l'espace qui doit être réservé aux piétons. D'autre part, elles sont morcelées, ce sont des petits morceaux. Brusquement, la piste cyclable disparaît, on se demande pourquoi, et puis elle recommence plusieurs centaines de mètres plus loin. Bien souvent, on est obligé, c'est le cas d'une Ladevèze, de passer d'un côté de la chaussée à un autre, puis de revenir à un précédent endroit de la chaussée. Et on traverse chaque fois à angle droit l'espace des voitures, ce qui évidemment est accidentogène. Tout ça est absurde. Alors, quelle est la bonne solution? Qui ne coûte rien? Qui ne coûte rien? Ben, c'est tout simplement qu'à Béziers comme ailleurs, la vitesse automobile soit partout, ou en tout cas presque partout, réduite à 30 à l'heure. À 30 à l'heure, une auto n'est plus dangereuse pour personne. Et ainsi, tout le monde peut partager la chaussée sans danger, ni pour les uns, ni pour les autres. Je vais vous livrer une pensée très intime que je n'ai encore livrée, je crois, à personne. Savez-vous pourquoi la ville à 30 a si peu de succès? C'est que ça ne rapporterait d'argent à personne. Parce que ça ne coûterait rien. Ce serait bon seulement pour la santé de tout le monde, pour la vie de tout le monde et pour l'environnement, c'est-à-dire pour peu de choses, aux yeux des aménageurs. Thank you.
voit pas les visages. Alors, vous n'avez pas pu remarquer dans la vidéo le vélo cargo que je me suis assemblé il n'y a pas si longtemps. On ne l'a pas filmé, mais j'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus. Sur la problématique des transports, puis la solution que j'expérimente à mon niveau pour résoudre en partie cette problématique. Pour ce qui est du débat, malheureusement, il n'y a pas d'image, par souci d'économie de batterie le jour J. Mais pour faire simple, on s'est rendu compte que le sujet des déplacements, du transport dans la vie humaine, soulevait des questions de santé, d'économie, de liens sociaux, qui sont des sujets centraux dans la vie humaine. Et l'une des solutions abordées, donc, sans parler d'infrastructures telles que les parcs à vélo ou en libre-service, voies cyclables, etc., c'est le fameux Villa 30 que Robert a développé pendant l'introduction du débat qu'il a fait. On vous invite à aller sur le site ville30.org, il contient beaucoup de ressources pour mieux comprendre le concept. On espère que cette vidéo vous sera utile pour une meilleure compréhension de ce sujet, et qu'en tous les cas, elle vous a fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à partager si vous souhaitez une ville plus douce, à Béziers comme ailleurs, et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo. A plus !